Religion is supposed to be the means of peace, attaining peace. But in practicality, in reality today, every religion has got a base of fundamentalism and involved in terrorism. Can we not make an attempt to create a new world order where there is no religion at all? Maintenant, ce que malheureusement vous entendez par religion dans le monde aujourd'hui est juste le système de croyance de quelqu'un. L'un croit que Dieu est rond, l'autre croit que Dieu est carré, un autre croit que c'est un triangle. C'est ça la situation, n'est-ce pas? Et vous devez comprendre ceci. Une fois que tu commences à croire en quelque chose qui n'est pas encore une réalité pour toi, tu vas forcément entrer en conflit avec un autre, parce qu'un autre va forcément croire en autre chose. Non, 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 je crois en mon Dieu, mais je ne suis pas quelqu'un de violent, je ne vais pas me battre avec qui que ce soit. Tout ça n'est qu'un maquillage. S'il vous provoque suffisamment, vous allez vous battre. Comme, par exemple, disons que vous croyez que Dieu a quatre mains. Moi, je crois que Dieu n'a pas de mains. Ce sont deux systèmes de croyances. Demain, par amour pour Dieu, vous érigez une statue haute de 30 mètres dans la ville de Coimbatore, évidemment avec quatre mains. Mais tout à coup, je me sens très blessé. Ces quatre mains sont tellement moches, parce qu'en réalité, Dieu n'a pas de mains. Parce que c'est ce que je crois. Donc, cette nuit, je vais aller sur cette statue, je n'ai pas l'intention de causer le moindre dégât à ton Dieu, je vais juste le rendre tel qu'il est vraiment, sans main. Donc, je coupe juste les quatre mains. Demain, que va-t-il vous arriver? Vous voulez me couper les mains, n'est-ce pas? Simplement parce que vous croyez une chose, je crois autre chose. Tant que les gens croient en quelque chose, le conflit est inévitable. Parce que vous pouvez dire, non, non, on est tous frères, on est unis, tout nous va. Toutes ces histoires de fraternité, quand il faut vraiment se mettre d'accord sur quelque chose, quand je crois que ce que je crois est vrai, je vais essayer de le manifester. Je vais essayer d'en faire une chose courante partout, n'est-ce pas? Oui? Une fois que je crois que ce que je crois est la vérité, naturellement, je vais essayer de l'imposer aux autres. Je n'appelle pas ça l'imposer, j'appelle ça te sauver de l'ignorance. Oui ou non? Une fois que je crois fermement que c'est comme ça qu'est Dieu, je vais essayer de te l'imposer, juste pour te sauver, pas pour te blesser. Mais tu vas être blessé parce que tout ce qui est imposé fait mal. Si tu résistes, je vais utiliser d'autres méthodes pour te l'imposer. Quelles que soient ces méthodes, l'épée a été utilisée, l'argent a été utilisé, toutes sortes d'incitations ont été utilisées, n'est-ce pas? Simplement parce que je crois une chose, tu en crois une autre. La religion n'est pas un système de croyances. Toutes les religions ont au départ été une méthode pour se tourner vers l'intérieur. Mais c'est un pas vers l'intérieur. Un pas vers l'intérieur ne peut être fait que par un individu. N'est-ce pas? C'est une chose très intime, quelque chose qui ne concerne vraiment que vous, qui n'a rien à faire avec qui que ce soit d'autre. Mais quand les gens essaient d'organiser ce pas vers l'intérieur, naturellement, il est déformé. Maintenant, on veut faire notre religion dans la rue. La religion ne peut pas être faite dans la rue, elle ne peut être faite qu'en vous. Si vous devenez vraiment religieux, vous devez être au-delà de tout conflit, n'est-ce pas? Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est tout l'enjeu de la religion, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, qui dit religion dit conflit. Si vous prononcez le mot religion, vous parlez généralement des conflits qui ont lieu dans le monde, n'est-ce pas? C'est parce que vous avez réduit un pas vers l'intérieur à un ensemble de croyances. Parce que pour faire un pas vers l'intérieur, tu dois te transformer.
Pour croire quelque chose, tu n'as pas à te transformer. Tu peux faire toutes les bêtises que tu veux et quand même croire que Dieu est là-haut au paradis, n'est-ce pas? Oui. Les gens les plus grossiers, les gens les plus cruels sur la planète ont toujours parlé de Dieu, n'est-ce pas ainsi? Oui ou non? Tous les belliqueux dans le monde ont parlé de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu les a aidés. Voyez, dès l'instant où tu crois quelque chose, tu as une toute autre confiance. C'est le plus gros problème. Quand les idiots deviennent très confiants, le monde est en danger. Une personne intelligente se demande constamment comment gérer la vie. À chaque pas, elle se demande si ce qu'elle fait est bien ou pas. Mais un idiot a une confiance absolue. Et quand sa bêtise est validée par Dieu, ça y est. Plus la moindre hésitation. Il peut sans cesse continuer à faire les choses les plus idiotes sans y voir aucun problème. La nature même de votre intelligence est telle que si vous faites quelque chose de stupide aujourd'hui, ce soir, votre intelligence va vous déranger. Pourquoi ai-je fait ça? N'est-ce pas? Mais si Dieu valide votre stupidité, vous n'avez pas besoin de regarder en arrière. Vous pouvez faire les choses les plus grossières sur la planète et ne pas vous en soucier. Vous sentir très fier de savoir que vous irez de toute façon au paradis parce que vous avez fait toutes ces bêtises. Il n'y a pas de dimension expérientielle. Vous croyez juste quelque chose. Une fois que vous croyez quelque chose, votre croyance et la croyance d'un autre vont forcément entrer en conflit quelque part. Les conflits dans le monde ne sont pas entre bien et mal, voyez-le, s'il vous plaît. Bien que les gens affirment toujours que c'est le cas, ce n'est pas vrai. C'est toujours la croyance de l'un contre la croyance d'un autre. Donc la religion est devenue un problème, parce qu'on l'a réduite à un ensemble de croyances. Si c'était une réalité dans votre expérience, que vous avez vraiment senti Dieu, alors pourrait-il y avoir un conflit? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Mais comme vous grandissez à partir d'un système de croyance, vous n'êtes pas prêt à faire l'effort d'aller au-delà de ce que vous avez acquis auprès d'autres et de regarder la vie vous-même. C'est pour ça qu'il y a des conflits. Si vous ne savez pas, il n'y aura pas de conflit. Si vous savez, il n'y aura pas de conflit du tout. Mais quand vous prétendez savoir, il y aura forcément un conflit.